Un vendredi bien compliqué à vivre pour les fans de feuilleton. Ce 18 novembre, les téléspectateurs ont dit adieu à Plus belle la vie, après la diffusion de l'Ultime Prime sur France 3, mais aussi à une autre série culte du petit écran. Pour quelques semaines. En effet, TF1 a diffusé le 1321e épisode de Demain nous appartient, avant une pause d'un mois. À partir de ce dimanche 20 novembre, la Une voit la Coupe du Monde de football débarquer sur son antenne. La chaîne privée a donc décidé de suspendre la diffusion de Demain nous appartient, le temps de la compétition. Les fans du programme ne pourront poursuivre les aventures d'Ingrid Chauvin, Alexandre Brasseur ou encore Kamel Belghazi qu'à partir du 19 décembre prochain. Le JT prend la place de Demain nous appartient en conséquence, face à l'irrégularité des diffusions du feuilleton quotidien et pour préserver le bon suivi du téléspectateur, Demain nous appartient ne sera pas diffusé pendant la compétition. Les téléspectateurs pourront retrouver leur rendez-vous quotidien le lundi 19 décembre à 19h10 pour découvrir la suite des intrigues de la série, a annoncé TF1 dans un communiqué. Pour rappel, du dimanche 20 novembre au dimanche 18 décembre, TF1 diffusera en clair les 28 plus belles affiches de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Lors des phases de poule, pendant environ 2 semaines, la chaîne retransmettra la totalité des matchs de 20h. Pendant cette période, le JT présenté par Gilles Boulot et Anne-Claire Coudray sera avancé à 19h15, en lieu et place de Demain nous appartient. En revanche, Ici tout commence conservera sa tranche et sera bien diffusé dès 18h30.